liboso na ngai koluka elongi na yo ozali wapi otelema natomboli miso na ngai koluka elongi na yo ozali wapi otelema mapate komi molili ninye komeli ngai ozali wapi otelema Jésus mapate komi molili ninye komeli ngai ozali wapi otelema Yesu Kanga hazana nguya te yotelema nalikambwe komelingae atali otanangae bazana nguya te yotelema olimo santwa lobelingae naye bisayo souviens-toi de moi Olimo santwa lobelinga na yebisa yo Jésus souviens-toi de moi Sur la zone où il y a Colobéza, Jésus. Souviens-toi de moi. This program is brought to you by Moizmbie Ministries. This program is brought to you by Moizmbie Ministries. Welcome to Moizmbie Ministries. Moizmbie Ministries, venez rencontrer Dieu.
ozoba to pambola nzambe na ndaku na yo pona sante na yo pona bana na yo commence à parler à Dieu parle tombola yesu na ndaku na yo tombola yesu libota na yo Tombola yes. Tombola matin à prier. Banda kopambola ensemble. Élève Jésus dans ta vie. Élève Jésus dans ta famille. Il est digne d'être élevé. Il mérite au fond de nos lèvres ce soir. Nous t'élevons Jésus. Nous proclamons son nom. Oh my God, oh my God. Osobete en bon osot à ton laïs. Osobete en bon osot tombe laïs. J'aimerais entendre la voix de quelqu'un qui reconnaît l'amour de Dieu dans sa vie. Osot tombe laïs sous la vie naïo. Yébise osam à l'âme. Nanya kolinanga lokolayo. Melamo kelangama lokolayo. Osobete en bon osot tombe laïs. Que tes mains puissent louer le Seigneur. Que ta bouche puisse louer l'Éternel. Que yo bongi na kembo ma bolo non yo segu ma mela yo mino konyo lokumo yo bongi na kembo mabolo nonyo segu mamela yo minoko nyo seta tola yo ye yesu e kolo ya ya adore Dieu, alléluia. Hey Yahweh, yo pesinga pema, nini nasa le lakio, mingi ba kufi, lelo mingi ba zobela, golu monene. Yo sale linga Oso tombola Yesu Hey Yahweh ma mobi mana nai yo so esi mami na yo yonde mo bate linanga yeah Yesu Tema tutatulia
panche to koyema. Alleluia. Yahweh biso to koto mora kiti na ya ngulu. Emite matota toli yosalita. Sainteté à ton nom. Saint, 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 et l'éternel. Et les armées. Je les armées. Tu es saint. Tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartient. À jamais. À jamais. Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Rassemble avec les anges dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, alléluia. Oh oui, chantez à ton nom. D'être acclamé. Il est saint, il mérite d'être adoré. Tu fais bien d'acclamer l'Éternel parce qu'il le mérite. Il est saint, il mérite d'être célébré. Il mérite d'avoir les cris de joie. Oh, oh, j'entends quelqu'un pousser des cris de joie à l'honneur de celui qui vit au siècle des siècles. Il mérite ça, il mérite ça. Il mérite les paroles qui viennent au-dedans de ton cœur. Aso mérité maloba lokumu ezo uta na motema na yo. Aso mérité maloba lokumu ezo uta na motema na yo. Oh my God. Demeure la seule raison de nos louanges. Ha. Assemble avec les anges dans les merveilles des rachetés. Chantons à l'unisson, alléluia. Ô roi, vis pour toujours, que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges.
sangani awa po ye aswa lokumu to sangani awa po to tombola ye po kwa lelo to sobo sanana nuba problem na biso po to tombola muto a merite lokumu na tonga po kwa lelo a merite baclamation a merite louange a merite adoration a merite makama minene a merite aïe 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 Jésus Santa Rabashe. Oh my God. Je ne sais pas te donner une intention de prière. Parce que moi, ce qui monte au-dedans de moi, c'est la reconnaissance à l'honneur de celui qui m'a donné le souffle de vie. C'est la reconnaissance à l'honneur de celui qui m'a gardé. C'est la reconnaissance à l'honneur de celui qui m'a protégé. C'est la reconnaissance à l'honneur de celui qui a fait de moi son enfant. Il n'a pas tenu compte de mes péchés. Il n'a pas tenu compte de ma faiblesse. Il n'a pas tenu compte de ma petitesse. Mais il m'appelle encore son fils. Et il m'éprouve encore son amour. Il mérite beaucoup ce soir. Oh my God. Ensemble avec les anges. Et racheter. Chantons à l'unisson, Alléluia. Oh roi, vis pour toujours, que Jésus le fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Merveille de racheter, chantant à l'unisson, Alléluia. Yahweh biso tokotombola, kitina yo yangolo. Ah, oh my God. Namite mato tatoli, yo salisa. Loyembo oya basantu na bonji tokoyemba à quelqu'un, celui qui te combat, son trône est ici. Les chefs de ta famille, son trône est ici. Les présidents ou les rois de nos pays, de nos royaumes, leur trône est ici. Mais celui que nous adorons, oh, je parle à quelqu'un, celui que nous célébrons, oh my God, celui qui t'a appelé, oh, celui qui a crié en toi, oh my God, celui qui t'a appelé pour devenir son fils. Lui, son trône est dans les cieux. J'ai dit à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de ça. Oh my God. Bah, oh, yon trône na bangwe zana ma bobanga bangote. Oh ya simbio, trône na ye zana lola. Oh ya bundela kayo, trône na ye zana lola. Oh ya benga yo, trône na ye zana lola. Oh ya kota kalikambuna yo. Trône na yezana lola. Oya kiti na pokwa lelo. Trône na yezana lola. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur, parce que ce soir, Mokonza bakonzinda kiti. Oh, on l'appelle le roi des rois. Il s'appelle le seigneur des seigneurs. Oh my God, il est le maître des esprits. Je dis à quelqu'un,
pokwa lelo mokonzi na yo ndaki tiao na lobiango na ndenge mususu. Ce soir ton père est là. Oh my God, aso comprendre ngati. Ça c'est pour te dire ko banga muto akanela kiote bo ya kitale ki akanela ki na makasi. Aïe 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 magistrat kangi dossier na yo o ya kitile lo babenga kaye le juste juge tangwa kitaka changa kama kambu tangwa kitaka bongo la kama kambu atozalaki ozalaki coupable à cause du sang de l'agneau toko maka justifié nazo ebisa mutu moko ko bange lo côté ko bange lo côté ko bange lo côté o ya kitina poko lelo. Aleki muto simi dossier na yo. Aleki muto azo bundisa yo. Aleki general azo kanela yo. Aya ya 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 ya. Yo vandi na kembo yo kumama na yo. Yawe yo kumama. Ah. Yo vandi na kiti ya bokonzi na yo. Ozo beta maboko, beta lanzambe wana. Beta lanzambe maboko. Na so yo kama boko no te betambo. Yawe yo kumama. Nina kebo yo kumama yawe. Yawe yo kumama. Osunga kama inatambo ya pasie. Yavona yembeli yo. Nina kebo yo kumama yawe. Oso yembe la tambo afandi na kembo. Oso yembe la tambo afandi na matan joli. Fomole la yolola, ma poco wane kitise la yombo loanza. Aya ya,
mété. Intercesseur, on a ma boîte à intercesseur, et Pélissa comme
tombe, tokei, maboko wana, zokie ko pasuke pasuka, maboko e pasuka solise monana, maboko e pasuka libale ya, maboko e pasuka, zele fungwama, maboko e pasuka, musala e ya, aya ya 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 ya, era basanta rabache. Salabika moye, to vivre le, Salabika.
to bani likolo makasi. Bazana problème sérieux lelo. Bato ba bundisa ko. Bazana problème sérieux. Era basa tara bashe. Oh my God. Yoka. Telema likolo mto fukami. Ovandi o telemi likolo. Lelo to bandeli bango likolo. Écoute ce que je suis en train de voir. Je vois des gros chiens. Bakani bango na basinga. Mais baza prêt à quoi attaquer. Lelo to zo kota na kaya banguna. Eh, na soe bisa mutumo koto bandeli bango de bouye. Tala, ma boko no lelo eza prophétique. Okobeta maboko zoe bisanzambe lokitwe ningana na kaya banguna ba prison ebukana esika nyonso bakanga ba bloka ba simba bien aimé maboko wana e basolela yonzela maboko wana e ningisa ba prison banguna beta maboko bando pie banda kokweisa ba prison nyonso kanga mabala ba prison nyonso ayayayaya matana pie bien aimé mata. Maboko wane beta mama kasi. Yangonezo ningi sakaya banguna. Yangonezo ningi sakaya banguna. Ya 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 ya. Vibre na prière, vibre. Tu vas battre tes mains. Qui est tremblement de terre dans les camps de tes ennemis. Que les prisons tombent au travers de tes mains. Ma boko wane koi sa ba prison. Et kota na kaya banguna. Et ningisa ma belena bango. Beta ma boko. Et koma taba kake. Et kita na ka. Aïe 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 aïe. Ma prison mon limo, ma prison famille, les lois au boucana, les lois au boucana, les aïe 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 aïe. Sambela, 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 Sambela. Maboko wana osobetango bien, osobetango bien, osobetango bien. Lokito ebima na kabanguna, lokito na kabanguna. Baoba kana kama bepo na yo. Beta maboko, kaya bangune tremble, bakake kita.
Samela bien. Tala. Oyebi banguna foko eba ko surprendre bango. Eh, baba ndeko satanne teke to bandali kolobo. Naibi sayomba lo ba ko ko saisir yote. Ba ko comprendre yote. Maloyo ba ko ta to ko tike la bango lisu su temps. Tozo samela, écoute ce que la Bible dit. Psaume 116 verset 3. 4 et 8. La Bible dit, Psaume 116, la Bible dit, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Écoute, Bible Zoloba, les liens de la mort m'avaient environné. Est-ce que tout le monde se comprend? Ça veut dire, les gens et si babongi sa qui m'a batelio balien pour que ebenda yo na liwa pour que okwea pour que olela. David a comprendre a telemi a sali prière nzamba sali nini a kangolie ane oyo yo kokwea te na bandaki loba ane oyo yo okolela te ane oyo yo okokufa. Quel est le masque qui est au Sambela? Le lien. Lien wana elinge memona kufa. Lien wana elinge kweisayo. Lien wana elinge lelisayo. Tu vas prier contre tous les liens. Les liens qui t'attirent vers la mort. Les liens qui veulent te faire tomber. Les liens qui veulent que tu pleures. Tu vas prier, tu vas battre tes mains. Ozo kata ba lien, ozo tumba yango. Ozo bimana ba lien ya famille. Lien ozo lingalibala no ebeba. Lien ozo bien aimé. Beta maboko. Yebi sansambe. Ba lien wane katana. Ba lien wane katana. Ba lien wane katana. Matana priye beta maboko. Que les liens de la famille. Les liens qui t'attirent à la mort. Les liens qui veulent que tu tombes. Dis à Dieu. Que ça soit brisé. 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 Beta maboko. Kata balie wana, kata balie wana, kata balie wana. Aya ya 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 ya. Que les liens soient coupés, les liens de la sorcellerie. Que ça soit coupé, que ça soit coupé, que ça soit coupé.
Aujourd'hui, tu vivras sans lien. Yébi sans amé, balien nyonso. Oué kanana, ekana papa, ekana mama, nalibota. Lelo, 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 lelo. Ekatana, ekatana. Aïe, 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 aïe. Beta maboko kata balien wana. Beta maboko kata balien. Balien ya koutime katana. Que les liens de koutime soient rompus maintenant. Mata, 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 mata. Coupé, que ça soit coupé. Beta ma boko, beta, 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 beta. Balie kangabino la famille le zo katana. Balie pekisa kabino bombara le zo katana. Matana prière, mata, mata, mata. Aujourd'hui, que ces liens soient rompus, que ces liens soient rompus, que ces liens soient rompus. Kata yango, kabeta maboko, balie wane katana, et katana, et aïe 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 aïe. Soit debout. Tu ne peux plus vivre dans les liens. Nasobisamutumoko, tu ne peux plus vivre dans les liens. Okokyo vivre na katia ba lien. O lien moko ya famille,
famille na biso babalaka na pasi pour toi lelo yo ozo bima na ba lien wana lien wana e kanga batu nyonso mais yo ndo sukisi yango nazo tuna e katanito e katanite lien o e kanga libala e katanito e katanite lien o e kanga mbongo e katanito e katanite lien o empêcha ka yo voyager e katanito e katanite loba ko banda lelo balien nyonso oye telema na famille e kanga mabala e kanga mabota e kanga misala e kanga ba voyage e kanga ba elenge sengo na kombo na Yesu e katana e katana e katana au nom de loba na bimi na balien sala mouvement prophétique loba na bimi na balien loba na bimi na balien loba na bimi na balien. Oh my God, tu ne seras plus dans les liens. Nous allons prier. Nzela nyonso ya yo oye stangami e me mayo na lipamboli e fungoma nazo luka bato bazana kondima tala nzela so eza okangama mwe oleka. Ça veut dire plus on l'équité, plus moi au bas là. Yo, fallos a déjà en États-Unis. Yo, fallos a déjà en Europe. Yo, fallos a déjà na banami balé. Mais bazui nzela bakangi. Bazui ma banga bache. Loba ezo longwa lelo. Loba ezo longwa lelo. Loba ezo longwa lelo. Loba kobanda lelo. Nanzela yanga. Nanzela nanga ya lipamboli ya libala ya voyage ya musala lipanga nyoso oyo bacha butwa lelo ebukana 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 beta maboko banda kolongola ba barrière nanzela nayo sur le chemin de ta destinée que les barrières tombent sur le chemin de ta destinée. Que les obstacles tombent sur les chemins de ta destinée. Que les barrières tombent. Prie, 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 prie. Que ça tombe, que ça tombe. Aïe, 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 aïe. Sambela, sambela. Ma poko wane betama. Ma bange longwa. Lombo na mabanga na tela na yo Libala waneza ya yo Musala waneza ya yo Tela ba bloka ki Lelo ezo fungwa ma Beta maboko Pablo
Yoka Joanne Longwa. Matana prière. Aïe 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 aïe. Oh, je vois un chemin ouvert. Télémalicolo, télémalicolo. Tala, il fallait que tu te maries depuis longtemps. La méchanceté du monde. Ils ont pris une grosse pierre, ils ont placé sur ton chemin. Ils savaient qu'avec une grosse pierre, tu auras du mal à les soulever. Baye bakite yonongozawana pona yo ba angelu bakota kama kambuna yo. Oh my God. Nalobi pona yo lo les alaka mobilisé. Et j'ai dit pour toi, le ciel est mobilisé. J'ai dit à quelqu'un pour toi, le ciel est mobilisé. Lobanzela nanga. Efungwami. Lobanzela nanga. Efungwami. Zela nanga libala efungwami. Zela nanga musala efungwami. Zela nanga voyage efungwami. Zela nanga opportunité efungwami. Kobanda lelo zela wana ekokanga malisusu te na kombo na Yesu etikali ya kofungwama. Nazo kota, nazo simba, nazo bala, nazo sala, nazo mata, nazo voyage. Nazo bonga, au nom de. Oh. Nazana siko na posa. Ya mutu ayebi kazo bala. Azo sala. Azo bota. Azo bonga. A beta maboko. A pousse bakri. A déclaré. A sauté. Aïe 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 aïe. Kaka ne mozo beta maboko. Kaka ne mozo sauté. Et salame la yo kaka bongo. Et si Kaliba les a la quitté, Liba les Okota, Moussa les Okota, Mombe Zokota, voyage Zokota, Kobong, aïe 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 aïe, sauté bêta ma boko, Araba Santa Labache, Matalo Manabali, Nabongi, N'a voyagé, Naboti, et Simbi, Moa, Sepela, Sepela, Sepela. Oh! Oh my God! J'entends dans mes oreilles pourquoi. Ba mataba kita yo zo bala ne oyo. Ba mataba kita ozo matavion a ne oyo. Na lobi ba mataba kita pilon lilo ezo salama na vina yo. Ba mataba kita ozo signe contrat ozo swesika na biro wana. Ba mataba kita ya yo ezo simba. Ba mataba kita. Ozo me mamwana na yo. Ay 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 ay.
mitambo bachaki esimbite. Ah! Ay 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 ay. Mitambo bachaki es. Nalobi bako luka yo me bakomona yote. Bako luka yo me bakomona yote. Oh my God. Ay 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 ay. Mitambo bachaki esimbite. Bana tsela nanga mitambo esimbite. Yo. Hey. Ay 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 ay. Mitambo bachaki esimbite. Tsela na yo etikali akofungwa ma. Oya sali ba bine na tsambe. Prophétique. Dala, Mikolo yo kakaboué. Mikolo kaboué. Mikolo kaboué. Soba tu nyon zobi nanin. Dala zana mouna téléphone. Ocheka. C'est fort. Tokolo ba mingite. Na zobi na ponze la nangeti kali ya kofungwama. Na zobi na po baba la kate. Nazobi na po ba voyage akate. Nazobi na po esimba kate. Loba na zamba mbio esimba kate. Au nom de Jésus, que Seigneur est bandi, et katanatie na kombo na Yesu. Oh, tala, lodi o échouaki, mais lelo makamba ko échoué. Oh my God, nazo mona ba offert sele mutu dot. Ça, je le parle d'une manière prophétique. C'est ce que je suis en train de voir. Na kombo na Yesu libala na yoye na mbangu. E na lobi libala na yoye na mbangu. Na lobi libala na yoye na mbangu. Ya yo fo simba ngo na mbangu. Babala kate babali. Babota kate baboti. E simba kate e simbi. Na nzambe ya mbiye. Ay 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 ay. Na oya koral, na oya koral.
papa, il faut un anime. Inscription, il faut un anime. Test de grave. Laisse essayer de tester. Écoute, nous allons prier. Maintenant, nous allons attaquer. Bato nyon soba bongi se la kayo mabe. Balobi nanzela wana yo kokyo batala. Et puis, ce qui est grave, ils savent que quand tu seras marié, toute ta famille sera bénie au travers de toi. Non moni bazo bundisa yo, non moni bazo combattre yo. Écoute, soko yo ke la bango mawa, nga, na David, passage na otanga, to yo ke la bango mawa, écoute, psaume 35, ha, nga na zo mona fete, bino boya combattre nga, nga zo mona visa, bino boya combattre, nga zo mona toge, bino, boko yo kanzamba mbi embalo. Psaume 35, 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 35, 7 à 8. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans les filets qu'ils ont tendus. Qu'il y tombe et périsse. Est-ce que vous pouvez comprendre? David a lobby. Na sale lo kote, batimole linga mabulu, batye linga ba mitambu ya ba file. Men nzamba lola, nzamba mbiye, batu wana ba kota na ba mabulu na bango moko. Baka ngama na ba file na bango moko. Tala. Bakoyoka sango bana kata libulu yo bali. Bakoyoka sango bakangami na bafile yo voyager. Bakoyoka na lobby banguna na yo bazoka ngama na ba prison. Telema likolo ozo beta maboko zo bisanzambe na kokangama na bafile na bangote. Oya chaki file. Oya timola ki libulu. Ozo beta maboko bangomo ko bakota. Bango moko ba tsinda, bango moko ba kangama, beta maboko, be aya ya 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 ya, beta maboko, ba file na bango kangayote, que tu sors de leur filet, que eux-mêmes entrent dans la fosse qu'ils ont creusée. Mabulu na bango ekoti sa bango moko. Ba file ba chaki. Ekoti ay 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 ay. Bakota,
na file wana ozo bima na libulu wana bima 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 sort 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 de l'air force sort de l'air lien sort sort oh et ta maboko bima ozo bima na ba file na bango ozo bima na libulu na bango oh ba timole la kio oh aya ya 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 Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Il se peut que par erreur, tu étais déjà entré dans ces trous. Mais Dieu d'Embié ne veut pas te laisser dans ces trous-là. Téléma l'écolo, s'il te plaît. Quand on sous nos allats très concentrés, tu te retrouves dans quel filet maintenant? Il y a de ceux qui ont profité de tes erreurs. Il y a de ceux qui ont proclamé et attendaient déjà que tu sois dans ces filets-là. Il ne savait pas que tu as un Dieu qui compte encore sur toi. Et ce Dieu-là est capable d'ouvrir là où personne ne peut imaginer. C'est ce Dieu-là qui descend maintenant. Pendant que je parle, l'Éternel me montre quelqu'un qui fait monter dans sa pensée les réalités de sa famille. Tu vas l'oublier maintenant. Avec ce que Dieu va faire pour toi, tu vas te demander, dans cette famille, il y a une loi. Mais comment cela s'est fait que moi, je me suis marié? Oh my God. Oh, oh, oh. La main puissante de l'Éternel circule dans la salle. Oh, oh my God, oh my God. Oh, attention. Attention, il y a une forte présence de Dieu ici. Il ne veut plus te voir dans ces liens. Il ne veut plus te voir dans ces filets. Il ne veut plus te voir dans ces trous. Dans ces péchés-là. Karabasanta rabashende rebosi. Rakasante rebosha. Kariekesinte reboshanda rabase. Oh my God, la main de Dieu circule maintenant. J'ai prié à Dieu de te toucher et de te sortir. Oh, attention. Attention, tu ne mérites plus de rester là-bas. Attention, tu vas sortir. Attention, tu vas sortir. Attention, tu vas sortir. Attention, tu vas sortir. Sors, 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 sors de ces liens, sors de ce filet, sors. Oh my God, oh my God. Oh, attention, attention. Tu vas quitter ces trous. Tu vas quitter ces liens. Oh, il y a quelqu'un qu'on avait déjà lié. Il y avait déjà une date bien précise pour qu'il meure. Oh, attention. Attention. Celui qui est descendu est tellement fort. Il est tellement puissant. Oh, écoute ce qu'on me dit. Boye Bisanga, soka le kisi février, oh, yo vina ye bonga. Alors, ils avaient prévu que tu meurs en ces mois. Oh my God. Oh my God. Lelon Zambambi Ndakiti. Celui qui est descendu, ce n'est pas un homme. Et San Zambambi. Karabasanta Rabashe. Au nom de Jésus. 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 Je secoue la place où on t'avait placé. On t'avait mis. Là où on t'avait mis, je les secoue maintenant. La puissance qui t'est retenue. Au nom de Jésus. Que ça te lâche. 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 Oh my God. Oh, oh, oh. Oh. Karaba santa rabashe. Kerika santa rebosha. Oh my God. Oh my God. Loi ya famille au coca ou sousté.
na lobi kuti me kokokayo lisusute kindo ke kokokayo lisusute. Oh taba chaîne des okatana taba chaîne des okatana taba chaîne des okatana taba chaîne des okatana. 1 2 3 oh 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 karaba santa rabache. Oh Raka Santa Rabache. Tu as droit de travailler. Tu as droit de te marier. Tu as droit de te réjouir toi aussi. Tu as droit, tu as droit. Tu as droit. Tu as droit. Tu as droit. Oh, maintenant c'est ton tour. Soulève tes mains. Soulève tes mains. Sois debout s'il te plaît. Tes yeux fermés. Celui que tu es venu chercher ici a la possibilité de toutes choses. Et l'eau que l'équipe là est allée. Et l'eau que l'embana n'a pas allée. Et l'eau que Oyo a zongé l'ango lobby est allée. Au nom de Jésus. Zambo yoko lukawa asimba yo. Zambo yoko lukawa akangola yo. Zambo yeko lukawa apesa yo. Sur tes mains, que l'Éternel dépose quelque chose de grand. Sur tes mains, que l'Éternel dépose quelque chose de grand. La chose que le monde ne voulait pas que tu touches, touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. L'Éternel me dit, Isaïe aye yabanda kala. Isaïe aye yabanda kala. Yayo isa tellement mounene. Allez, reçois-le. Reçois-le, reçois. Reçois yayo, yangoana. Yangoana, yambango, yamba, yamba, yamba. Yambango, isaïe aye, isaïe aye. Isaïe aye, reçois-le. 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 Reçois-le, isaïe aye. Biba lawane, isaïe aye. Bana basaïe aye. Poste wana, isaïe aye. Au nom de Jésus. Tu vas prier, ça sera peut-être ma dernière intention de prière. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 2. Reste debout, s'il te plaît. Les mages posaient des questions. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Ça veut dire, lorsqu'ils ont vu l'étoile, et toi, les tindi bango ba longwe sika bazala ki ba yako luka mwana wa Jésus. Et souki bongo te, la Bible continue pour dire que l'étoile les conduisait. Une fois arrivés là où était l'enfant, ils se sont prosternés et ils ont donné les présents. Ils ont donné de l'or. Qu'est-ce qui les a attirés pour ramener de l'or? C'était l'étoile. Peut-être étoile na yo ekufa. Peut-être étoile na yo ba etufa yango. Étoile na yo fwe bende la yo ba opportunité minene. Étoile na yo fwe longola batu musika ba ya koluka yo. Étoile na yo fwe memela yo wolo. Que ton étoile t'amène de l'or. Nazwe bisa mutu moko. Oza mutu pambate. Oza mutu batu bako uta musika bako ya koluka yo. Oza mutu batu bako uta musika. Bako ye la yo ba présent. Oza muto batu bako uta musika. Bako meme la yo. Bilo kwa minene. Prie. Dis à Dieu. Que mon étoile brille encore. Que mon étoile me fasse rencontrer avec des grands. Que mon étoile m'amène des trésors. Que mon étoile m'ouvre les portes. Que mon étoile me fasse accéder dans la cour des grands. Yebi sanzambe étoile la yo. Engengalisu makasi nanzela na yo okutana na bataminene okutana na opportunité okutana na matana prière bando bondela. Que ton étoile brille, que ton étoile brille, que ton étoile brille. Les mages doivent quitter de loin pour venir là où tu es. Prie, 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 prie. Sambela bien-aimé, sambela, sambela. Thank you.
Sambela, sambela, sambela. Tiens-toi debout, je vais déclarer pour toi. Au nom de Jésus, que ton étoile brille. J'étais en train de dire que ton étoile brille. Au nom de Jésus, que ton étoile t'attire de grandes relations. Que ton étoile t'attire de grandes opportunités. Que ton étoile t'attire les trésors. Que ton étoile t'attire de l'or. Au nom de Jésus, ce qui était loin s'approche à cause de toi. Au nom de Jésus, O Isaac Moussika. Et pour ça, na kaka e pai na yo. Na kombo na Yesu. O libota na yo simba te simba mwa cause de toi. Na kombo na Yesu. Sur tes mains. Atoza mwa na mukie. O simba biloko ya chair. O simba biloko ya valeur. O kuta na naba ta minene. O kuta na naba relation minene. O kuta na naba opportunité minene. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Que le Dieu de Mbi te bénisse. J'étais en train de dire que les dieux de Mbie te bénissent. Que les dieux de Mbie t'ouvrent les portes. Que les dieux de Mbie fassent venir près de toi des grandes choses. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Mets-toi. Prépare ton offrande de scellage. Prépare ton offrande de scellage. Prépare ton offrande de scellage. Nous allons sceller ces moments. Nous allons prier, sceller les prières que tu as faites. Nous allons sceller toutes les déclarations. Nous allons les sceller. Alors sur ce, je t'ai dit qu'il y a qu'au sceller kaka 1000 francs. Il y a mon tsokozu au senti kozu ya motuya pesapea. Ya motuya. Amen, 100 dollars, 10 dollars, 5 dollars. Bien-aimé, pèse l'eau comme on cause et que prière on a sali ma cambo changé. Yango nazo scellé yango. Écoute, là où tu as gardé des choses précieuses, quand on dit scellé, ça veut dire tozo kanga ou tozo confirmé. Alors, ce côté cadena ya mukie, ba miyebi ba kosan, ba koye obukango facilement. Amen. Amen. Era offrande, il faut payer sa camène à ma casse. Papa Félix, il y a un panier. Era offrande, il faut payer sa camène à ma casse. Et ça, era l'ipamboli na yo. Tu vas ramener dans ce panier ton offrande de scellage. On va passer à la prédication. Je vais retourner encore ici, on va prier. Le lo la na yo, fait tikale akufungwama. Amen, ce que tu avais prévu. Une très bonne offrande pour le scellage. Viens avec ça au nom de Jésus. Viens avec. Viens avec. Bando pour sanana offrande na wasselage. Yako sele moment oyo. Yako sele ango.
le Seigneur. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ton amour ainsi que pour ta miséricorde. Bénis ton peuple. Fais en sorte que cette soirée soit réellement une soirée de grande visitation. Bénis toutes les familles. À ton Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame pour le Seigneur. Voilà, pour commencer, je vais rapidement passer un communiqué. La jeunesse missionnaire pour Christ de l'Assemblée centrale, c'est-à-dire notre assemblée, t'invite à prendre part à une conférence de couple. Tu es jeune soeur, jeune frère. Tu es invité à y prendre part. Donc, c'est samedi 18 février à partir de 16h30 ici dans notre grand temple. Tu es jeune soeur, jeune frère. Tu aspires au mariage. Viens suivre les témoignages des gens qui nous ont précédés dans la chose. Même toi aussi qui es déjà marié, tu es jeune soeur, jeune frère, mais qui est déjà dans le mariage, nous t'invitons aussi. Viens participer avec nous. Viens prendre part à cette grande conférence. Nous allons nous retrouver ici ce samedi 18 février à partir de 16h30. Tu sais que certainement tu seras béni ce samedi. À cette conférence est attachée ta visitation aussi. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes m'ont compris? Si tu crois que cette conférence t'apportera une grande bénédiction, si tu es jeune frère, jeune soeur, est-ce que tu peux acclamer royalement pour le roi des rois? Voilà, que Dieu te bénisse. Nous allons aller rapidement et puis nous allons encore plonger dans un fort moment de prière. Pour commencer, laisse-moi te dire que le Dieu d'Embié va te faire du bien ce soir. Non, je suis en train de dire que le Dieu d'Embié va te faire du bien ce soir. Tu seras béni et ta vie vivra une transformation. Je serai dans le livre de Marc. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Marc. Chapitre 10. Le verset 46 jusqu'au verset 53. Marc chapitre 10, le verset 46. Nous allons lire jusqu'au 53e verset. La Bible est tentée de dire ceci. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une si grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier. On peut d'abord s'arrêter ici. La Bible est en train de nous dire ceci. Christ était en train de sortir déjà de la ville. Et la Bible dit, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Et Bartimée était assis au bord du chemin. La Bible donne un détail. La Bible dit que Bartimée qui était assis au bord du chemin était mendiant et aveugle. Bartimée ne voyait pas. Bartimée était là en train de demander. Cela veut dire ceci. Sa cécité
l'a poussé à la mendicité. C'était parce qu'il ne voyait pas. C'est alors qu'il demandait. Bartimée manquait la vision. Il était incapable de voir. Voilà pourquoi il dépendait des autres. Là, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Celui qui manque une vision dépendra toujours des autres. Le manque de vision fera en sorte que tu sois dépendant des autres. Je me dis, si Bartimée voyait, il pouvait se chercher la vie lui-même. Si Bartimée voyait, il allait se battre pour réussir dans la vie. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Tu peux tout perdre. Mais parmi les choses que tu ne dois pas perdre, c'est la vision. Car la vision te projetera dans ton futur. Ce que tu ne peux pas toucher dans ton présent, ton futur est capable de te le faire toucher. Cela veut dire, si tu as une vision, la vision que tu as te prendra, te fera quitter du présent pour te projeter dans le futur. Vous voyez que je suis ici. J'ai chanté de voir une voiture là garée à l'extérieur. Mais ma main physiquement est incapable de toucher cette voiture que je suis en train de voir là-bas. Mais mes yeux sont capables de voir. Cela veut dire que tu ne peux pas toucher présentement. Si tu as une vision, la vision que tu as va faire en sorte que tu la touches. Là, je parle de la chose. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, aie une vision sur ce que tu rêves. La vision déterminera ton futur. Voilà pourquoi le Père dit toujours, celui qui est capable de voir est capable de devenir. Ce que tu es incapable de toucher aujourd'hui, tu peux l'obtenir tout en ayant une vision. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, refuse de petites visions pendant cette période. Le Père a dit que ce mois de février, c'est un mois de la visitation divine. Cela veut dire Dieu lui-même s'est décidé de venir vers toi. Ce n'est pas toi qui iras vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a décidé de venir là où tu seras. J'ai dit à quelqu'un ceci, ce mois de février, que tu ne fourniras pas d'efforts, mais Dieu lui-même, dans sa souveraineté, viendra jusque là où tu seras. Ne perds pas la vision que tu as. Et surtout, ne rêve pas petit. Rêve grand. Aspire à des grandes choses. Aspire à la grandeur. Cette élévation, certainement, ce que tu as toujours vu dans tes songes, ce que tu as toujours espérer de devenir, certainement Dieu fera grâce. Parce que le vouloir et le faire ne vient pas d'un homme, le vouloir et le faire vient de Dieu. Même le désir d'être élevé, la chaleur qui brûle dans ton cœur, qui te dit certainement tu ne finiras pas petit, tu finiras grand. Ce n'est pas un fait d'hasard. C'est Dieu qui a placé cette pensée dans ton cœur pour te dire réellement que tu seras élevé. J'élève ma main et je prie à Dieu de bénir ta vision au nom de Jésus. Ce que tu as comme vision, que Dieu la bénisse au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vision au nom de Jésus. Que Dieu élargisse ta vision au nom de Jésus. Que les limites de ta vision tombent au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. S'il y avait des barrières que le diable avait rédigées sur ton chemin pour t'empêcher de ne pas rêver grand, que ces barrières tombent au nom de Jésus. Que toutes ces barrières tombent au nom de Jésus. Que toutes ces barrières tombent au nom de Jésus. Écoutez, Dieu a dit à Abraham, Dieu a pris Abraham, Dieu l'a sorti. Dieu a dit à Abraham, Abraham, regarde le ciel. Abraham était en train de compter. Dieu a dit, compte encore. Abraham a compté et Abraham était incapable de dénombrer le nombre d'étoiles qu'il avait vues. Avant que Dieu élève Abraham, Dieu a voulu d'abord que Abraham voie d'abord le nombre d'étoiles. Dieu a dit à Abraham, comme tu es incapable de compter le nombre d'étoiles que tu as vues, telle sera ta bénédiction. Donc la vision avait d'abord précédé l'élévation. L'élévation d'Abraham est venue juste après avoir
vu les étoiles. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci. La vision que tu as de la grandeur, de l'élévation, de la prospérité, de la bénédiction, certainement, Dieu va faire en sorte que cette vision revêt un corps et que cette vision devienne une réalité au nom de Jésus. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ta vision au nom de Jésus. Je bénis ta vision au nom de Jésus. Que Dieu ajoute l'onction dans ta vision. Je dis que Dieu ajoute l'onction dans ta vision. Je disais que Dieu ajoute l'onction dans ta vision. Quand tu marches sur la terre, quand tu vis, il faut toujours avoir une vision, un rêve de ce que tu deviendras demain. Celui qui a une vision ne tâtonne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a une vision ne tâtonne pas. La vision te stabilisera. Tu crois que ce que je suis en train de voir, je finirai par le devenir. Ce que je suis en train de rêver, je finirai par le devenir. Cette grandeur que je suis en train de voir, je finirai par la toucher. Après, je dis à quelqu'un, marche avec ta vision. Ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a toujours révélé dans les songes. Certainement, la Bible dit, lorsque Dieu promet, il finit toujours par le réaliser. La fidélité de Dieu se manifestera dans ta vie pendant cette période. Et Dieu fera en sorte que ce que tu as toujours rêvé finisse par revêtir un corps. Tu toucheras à cette chose. Je dis à quelqu'un, tu toucheras à cette chose. Bartimée était là assis au bord du chemin, capable de voir. Voilà pourquoi il demandait, il mendiait. Il était toujours dépendant des autres parce qu'il lui manquait la vision. Je prie à Dieu que Dieu te donne une vision. Une vision qui te poussera toujours de l'avant. Une vision qui te fera croire que si je n'ai pas aujourd'hui, demain, je l'aurai. Sois béni au nom de Jésus. Et une autre chose que tu dois comprendre, elle lui a dit, Bartimée attendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier. C'est un mois de la visitation divine. Une année de grandes choses. Mais je vais te donner trois points qui vont te permettre de pouvoir vivre la visitation divine. Le verset 47, la Bible dit, Bartimée attendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier. Bartimée était là, assis au bord du chemin. Certainement, ce qui est vrai, que Bartimée ne voyait pas. Mais Bartimée attendait. Bien qu'il ne voyait pas, mais il était capable d'attendre. Bartimée entendait les gens passer. Certainement, pendant qu'il était au bord du chemin, Bartimée attendait les gens. Il cherchait à savoir qui est en train de passer. Les gens qui étaient tout autour de lui essayaient de lui dire, à chaque fois qu'il entendait un bruit, un mouvement de gens, Bartimée cherchait à savoir qui est en train de passer, qui est en train de parler. Et les gens lui disaient, c'est ta tante. Ta tante Georgette, je donne un exemple. C'est ton oncle Albert. C'est ta grand-mère. C'est ton grand-père. C'est ton neveu. Et Bartimée était là, calme et assis dans son coin. Il ne réagissait pas. Mais lorsque Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, c'est alors que Bartimée s'est mis à crier. Cela veut dire Bartimée avait la connaissance du nom de Jésus. Et la première des choses que tu dois comprendre, pour vivre la visitation divine, il faut savoir saisir l'information
qui te conduira à ta visitation. L'information qui apportera la visitation divine dans ta vie. Bartimée n'avait pas crié parce qu'il avait entendu la voix de son oncle. Bartimée n'avait pas crié, n'avait pas réagi parce qu'elle avait entendu que c'était sa tante qui était en train de passer. Mais Bartimée a réagi parce qu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Cela veut dire que Bartimée connaissait la puissance qu'avait le nom de Jésus. Donc Bartimée n'a pas voulu laisser Jésus passer. Bartimée n'a pas voulu laisser cette information échapper. Bartimée a saisi l'information. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, certainement, cette période, Dieu va livrer les informations sur ton chemin. Mais je prie à Dieu que toutes les informations qui seront livrées sur ton chemin pendant cette période, que ces informations t'amènent la visitation au nom de Jésus. Bartimée a entendu que c'était Jésus-Christ qui passait. Et il savait que quand Christ était venu sur terre, Christ était venu avec un programme, un canevas bien déterminé. Christ a dit, je suis venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Je suis venu pour libérer les captifs. Donc, Bartimée avait toutes ces informations. Et quand il a su que la personne qui est venue pour ouvrir les yeux des aveugles est en train de passer, et directement Bartimée a saisi cette information. J'aimerais dire à quelqu'un, le nom de Jésus contient tout ce que tu as, tout ce dont tu as besoin. Dans le nom de Jésus, il y a tout. Dans le nom de Jésus, il y a les miracles. Dans le nom de Jésus, il y a la guérison. Dans le nom de Jésus, il y a la bénédiction. Dans le nom de Jésus, il y a la prospérité. Il a fallu que Bartimée attende juste le nom. Je vais le dire à quelqu'un. Le nom cache tout un mystère. Un grand nom est capable de t'ouvrir les portes. Voilà pourquoi Dieu a dit à Christ, je t'ai élevé et je t'ai donné un nom élevé au-dessus de tous les noms. Ce qui a fait en sorte que Christ soit élevé et assis à la droite du Père, c'était le nom. Voilà pourquoi le Père dit toujours que le nom, l'identité a une puissance. Même nous, si aujourd'hui le Père, Dieu, nous accepte dans sa présence, c'est parce que nous portons le nom de Jésus. Quand on se présente devant son trône, on se présente au nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu exauce facilement nos prières, parce que Christ, Dieu reconnaît en nous le nom de son Fils Jésus-Christ. Là, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Pendant cette période, toute prière que tu adresseras à Dieu au nom de Jésus, tu verras les portes. J'ai dit, toute prière que tu adresseras au nom de Jésus pendant cette période, ouvrons les portes au nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ est capable de tout. Le nom de Jésus est capable de sauver. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Ce que le nom de ta famille n'a pas pu donner, le nom de Jésus te le donnera certainement. La porte que le nom de ta famille n'a pas pu ouvrir, le nom de Jésus va ouvrir toutes ces portes au nom de Jésus. Là, je dis à quelqu'un ceci. Le nom de Jésus est le vaut dessus de tous les noms. Et Bartimée ayant compris toutes ces choses, il s'est dit que les noms que j'ai en train d'entendre, la personne qui est en train de passer sur mon chemin, c'est réellement lui qui a ma bénédiction. C'est réellement lui qui a ma visitation. Et là, je dois faire une chose. Je dois saisir cette information. Saisis l'information de ta visitation. Certainement, ce que Dieu a dit dans ta vie, tu finiras toujours par le réaliser. C'est un mois de la visitation divine. Dieu te visitera certainement. Mais Dieu te demande une chose. Ne sois pas dans la distraction. Saisis l'information qui t'apportera ta visitation. Je prie à Dieu que Dieu ramène vers toi les informations importantes qui t'ouvriront les portes à la grandeur. Je prie à Dieu que Dieu ramène sur ton chemin les informations qui t'ouvriront les portes à la cour des grands.
C'est ce que Dieu fera pendant cette période. Il dit, c'est ce que Dieu fera pendant cette période. L'Antimène a saisi l'information. Il dit que non, ça c'est Jésus qui est en train de passer. Je dois saisir l'information de ma visite. C'est lui qui comprend que sa période de visitation a sonné, ne vivra pas dans la distraction. Celui qui comprend que le temps de son miracle a sonné ne vivra pas de la distraction. Ce n'est pas le nom de ta famille qui t'apportera la bénédiction. D'ailleurs, les gens de ta famille ne t'aiment même plus. Le nom que tu portes de ta famille incapable de t'ouvrir les portes. Mais je bénis Dieu parce que tu portes en toi un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Tu m'as compris que ma cécité est un nom. Ma mendicité est un nom. J'aimerais dire à quelqu'un, ta maladie a un nom. Ta souffrance a un nom. Tes combats ont un nom. Mais ce que tu dois savoir est que le nom de Jésus que tu portes, ce nom-là est capable de finir même ta maladie. Parce que la Bible dit qu'il a reçu un nom élevé au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que Jésus-Christ a reçu un nom au-dessus de ta maladie. Christ a reçu un nom élevé au-dessus de ta souffrance. Christ a reçu un nom élevé au-dessus de ton combat. Christ a reçu un nom élevé au-dessus de ta souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus, ta souffrance prendra fin. Au nom de Jésus, ta maladie prendra fin. Au nom de Jésus, ta souffrance prendra fin. Au nom de Jésus, tes ennemis tomberont. Ah, je déclare sur la vie de quelqu'un, ta maladie prendra fin aujourd'hui. Parce que ta maladie a un nom. Ta souffrance prendra fin aujourd'hui. Parce que ta souffrance a un nom. Ta pauvreté prendra fin aujourd'hui. Parce que la pauvreté est un nom. Or, nous avons crié à un Dieu, un Jésus-Christ, qui est élevé au-dessus de tous les noms. Même dans le monde spirituel, reconnaît la puissance et la capacité qu'a le nom de Jésus. Voilà pourquoi même la terre n'a pas pu le contenir. Parce que la terre se disait, je fais face à un nom qui est élevé à la mienne. Je dis à quelqu'un ceci, au nom de Jésus, même ta chose qui était enterrée, ton étoile qui était enterrée, quelqu'un que tu portes en toi, l'ADN de Jésus, c'est que tu as toujours espéré. La chose qui a été enterrée, ta santé qui a été enterrée, tes finances qui ont été enterrées, tellement que tu portes le nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, laisse que la terre s'ouvre, laisse que la terre s'ouvre, laisse que la terre s'ouvre, et que la terre vomisse ta richesse, que la terre vomisse ta santé, que la terre vomisse ton étoile. Si tu prends cela, reçois cela au nom de Jésus. Et si tu penses cela, reçois cela au nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable de tout. Le nom de Jésus est toute une clé. C'est une clé passe-partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le nom de Jésus est une clé passe-partout. Je sens beaucoup d'onction alors que je suis en train de parler. Et je sens que ce soir, il y aura une porte de gloire qui va s'ouvrir. Il y aura une porte de gloire qui va s'ouvrir. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est tenté d'attendre un travail. Je prends le nom de sa famille. Je le place derrière. Je prends le nom de Jésus. Je le mets devant. La personne qui doit signer ce document ne verra pas ton nom.
ne verra pas le nom de ta famille. Mais cette personne verra au contraire le nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus qui te fera accéder dans la cour de grâce. Reçois ce que tu cherches au nom de Jésus. Et reçois ta guérison au nom de Jésus. Et reçois ta visitation au nom de Jésus. Et reçois ta visitation au nom de Jésus. Et reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois que l'atmosphère est ouverte. La rosée du ciel est en train de tomber sur la tête de quelqu'un. Et Dieu me dit de te dire, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Certainement avant que ce qui te prenne fin, tu toucheras à ton miracle. Il dit tu toucheras à ta guérison. Parce que nous invoquons un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Notre Père, le pasteur Moïse Mbiye, prêche Jésus-Christ, mort ressuscité. C'est ce Dieu-là qui est ici présent. Et c'est ce Dieu-là qui te guérira. Et c'est ce Dieu-là qui te bénira. Et c'est ce Dieu-là qui te lèvera. Dieu prendra ton nom et le mettra dans la cour des grands. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire à la grandeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire à la grandeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire à des grandes choses? Je sens une tristesse en moi pendant que je chantais de parler. Et je sais que pendant que je chantais de parler, le nom de Jésus que nous invoquons ici va consoler ton cœur. Je parle à quelqu'un, ne pleure plus. Ne pleure plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vu ta souffrance. Ne te lamente plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vu tes peines. Là, je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Jésus-Christ a vu ta souffrance. Christ a vu ta maladie. Christ a vu tes combats. Et il est là pour t'apporter une solution. Je parle à un corps malade. Je sens au fond de mon cœur que ce soir, ce culte, Dieu va guérir plusieurs malades maintenant. Car il y a une forte onction de la guérison qui est en train de circuler. Ta maladie prendra fin aujourd'hui. Je dis ta maladie prendra fin aujourd'hui. Ta maladie finira aujourd'hui. Peu importe le nom de ta maladie, mets dans ta tête que le nom de Jésus est plus grand. Et plus fort que le nom de ma maladie. Dieu te guérira certainement. Et dit Dieu te guérira certainement. Même toi qui es tenté de nous suivre, mets dans ta tête que ma maladie prend fin aujourd'hui. Que ma souffrance finit aujourd'hui. Tu sortiras d'ici avec un chant d'allégresse. Tu sortiras d'ici avec ta victoire. Tu sortiras d'ici avec ta visitation. Parce que le nom de Jésus t'accompagnera dans tout ce que tu feras. Le nom de Jésus t'accompagnera dans ton mariage. Le nom de Jésus t'accompagnera dans tes affaires. Le nom de Jésus va t'accompagner dans tout ce que tu feras pendant cette période. Tu ne marches pas seul. Je dis tu ne marches pas seul. Je dis tu ne marches pas seul. Je dis tu ne marches pas seul. Tu marches avec celui qui a créé les cieux et la terre. Tu marches avec celui qui a un nom élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable d'ouvrir le ciel. Même si tu vis sur une terre desséchée, dis-toi que le nom de Jésus est capable d'ouvrir le ciel et de faire pleuvoir sur ma terre. Jésus, laisse que le nom de Jésus transforme ton désert en un lieu plein de sources. Vis la grâce de Dieu, vis la grandeur, vis la bénédiction au nom de Jésus Christ. Lève ta main droite, déclare après moi. Le nom de Jésus est capable de me bénir. Yako, le nom de Jésus est capable de m'élever. Yako, le nom de Jésus est capable de me bénir. Ouvrir les portes. Sois béni au nom de Jésus Christ. Et la deuxième des choses, toujours dans le verset 47, la Bible dit, il s'est mis à crier. Alors qu'il a entendu, Bartimée a mis foi dans ce qu'il attendait. Donc, quand la Bible dit Bartimée s'est mis à crier, dans la Bible, Bartimée a d'autres termes, Bartimée juste a libéré sa foi dans l'atmosphère. Bartimée a cru. J'aimerais dire à quelqu'un, crois, la foi permettra en sorte que
la visitation divine vienne vers toi. Quand tu m'as cru que c'est Jésus est capable de m'ouvrir les yeux. Et alors qu'il a cru, c'est alors qu'il s'est mis à crier. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi que tu as est toute une clé. La foi va faire en sorte que tu accèdes à de grandes choses. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, sur le chemin de ta visitation, bien que tu crois à ce que Dieu t'a dit, mais tout autour de toi, il y aura toujours des gens qui se poseront à toi. Ils vont s'opposer à toi. Ces gens-là ne voudront pas que tu accèdes à la grandeur. Voilà pourquoi tu vois dans la Bible, quand Bartimée criait, il y avait des gens qui les reprenaient. Ça se passe toujours comme ça dans la vie. Tu aspires à une grandeur. Tu aspires à une élévation. Mais sur le chemin de ta destinée, il y aura toujours des opposants. Les combats s'élèveront. L'adversité s'élèvera. Mais malgré toutes ces choses, toi ne perds pas la foi. Crois toujours que la victoire me sera donnée. Crois toujours que la visitation divine certainement arrivera dans ma vie. Alors que les gens les reprenaient, Bartimée n'a pas cessez de crier. Il criait toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, active ta foi. Réveille ta foi. Ce que tu as tenté de vivre passera. Dieu a permis que tu passes sur ce chemin pour révéler sa grandeur. Mais retiens dans ta tête, dans ton esprit, que ce que Dieu a dit finira toujours par s'accomplir. Bartimée n'a pas tenu compte des gens qui étaient tout autour de lui. Bartimée avait gardé ses yeux fixés sur Jésus. La foi fera en sorte que tu gardes toujours tes yeux fixés vers Jésus. Et Jésus, c'est celui-là qui était sa rémunération. Garde tes yeux fixés sur ta rémunération. Ta foi va te stabiliser. Celui qui a la foi est un homme stable. Celui qui a la foi, c'est une femme stable. Bien que les vents souffleront, bien que les gens parleront, mais toi tu sais au fond de toi, tu sais au fond de ton cœur, Jésus que je suis en train de voir devant moi, c'est lui là qui détient mon miracle entre ses mains. Alors que je ne vais pas suivre ce que les gens sont en train de dire, je garderai mes yeux fixés vers la et ma rémunération, c'est Jésus-Christ de la Jésus-Christ. Crois. Même si tout le monde t'interdit de croire, toi crois seulement. Même si les réalités de ta famille t'interdisent de croire, toi crois seulement. Même si les médecins t'ont dit que cette maladie t'amènera à la mort, toi crois que c'est le meurtricide de Jésus-Christ que nous sommes guéris. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, ta foi à toi attirera la visitation de Dieu dans ta vie. La foi que tu libéreras ce soir amènera la visitation de Dieu dans ta vie. Vous avez la foi. La Bible est tentée de dire, Bartimée a libéré sa foi de l'atmosphère. Jésus-Christ passait. J'aime ce que je vais dire maintenant. Jésus-Christ est tenté de passer. La Bible dit, tellement que Bartimée continue à crier, Bartimée a libéré sa foi de l'atmosphère. Et la foi que Bartimée avait libérée de l'atmosphère arrêta Jésus. Christ était en train de partir. Bartimée criait. Christ partait. Plus Bartimée criait, plus sa foi s'est libérée dans l'atmosphère. J'aimerais dire à quelqu'un avant de continuer, ce soit libère ta foi dans l'atmosphère. Il y a un miracle suspendu dans l'atmosphère pour toi. Il y a un miracle qui est suspendu pour toi dans l'atmosphère. C'est ta foi qui attirera ce miracle vers toi. J'entends de voir Élie qui est en train de partir. Élisée était là. Élisée voyait comment est-ce que son maître était en train de partir. Élisée devait recevoir la double portion. Mais il voyait
son maître est parti. Tellement que Élisée avait cru. Il savait que dans les heures qui viennent, je recevrai la double portion. J'aimerais dire à quelqu'un, ton miracle n'est pas loin de toi. Ton miracle n'est pas loin de toi. Je dis à quelqu'un, ta visitation n'est pas loin de toi. Ton miracle n'est pas loin de toi. Ta guérison n'est pas loin de toi. Élisée voyait son maître partir. Bien qu'il y avait le vent, le vent qui soufflait, mais tellement qu'Élisée avait la foi, il avait cru que je finirais toujours par obtenir cette double portion. Et quand il voyait Élie monter, Élisée a fait ce que Bartimée a fait. Élisée aussi a crié. En d'autres termes, Élisée aussi avait libéré la foi dans la pensée. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi n'a jamais eu peur du vent ou de la tempête. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi n'a jamais eu peur du combat. La foi n'a jamais eu peur de la maladie. La foi n'a jamais eu peur de la tempête. Élisée montait. Plutôt Élie montait. Il y avait le vent, un grand tourbillon. Mais la Bible dit, pendant qu'il montait, tellement que Élisée avait cru, Élie montait, sa foi a fait en sorte que le manteau tombe. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi est une force d'attraction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si la chose que tu es en train de chercher est en train de partir, je sens que quelqu'un va vivre un renouvellement ce soir. Ce qui était parti est capable de revenir parce que tu as libéré ta foi dans la pensée. Élie était en train de monter. Élisée regardait Élie. Élisée s'est dit, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que les fils du prophète diront? Mais tellement que Élisée, malgré les tourbillons, malgré la poussière, Élisée a continué à croire. Et la foi qu'avait libéré Élisée dans la pensée, attends en sorte que le manteau tombe sur lui. Je vais le dire à quelqu'un, mais regarde trop loin. Lève juste les yeux dans l'atmosphère. Ton miracle est suspendu quelque part. Je dis à quelqu'un, ton miracle est suspendu quelque part. Je dis, ta guérison est suspendue quelque part. Active juste ta foi et tu vas attirer ton miracle. Active ta foi et tu attireras ta guérison. Libère ta foi et tu attireras ton miracle. Je voudrais que tu dises à quelqu'un, dis-lui que ton miracle n'est pas loin. Dis à la personne qui est à ta gauche, à ta droite, dis-lui que ton miracle n'est pas loin. Il dit que ta visitation n'est pas loin. Il dit que ta visitation est suspendue quelque part dans la pensée. Toi, libère juste ta foi dans la pensée. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je dis que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Vous avez la foi. La foi. Voilà pourquoi les gens qui croient toujours, les gens qui ont la foi, ce sont des gens que le monde ne comprend toujours pas. Un homme de foi n'a pas été toujours compris par ses contemporains. Ce que moi j'ai compris dans le domaine de la foi. Dieu est là, tu crois que tu t'es dit au fond de toi, tu dis aux gens de ta famille, même si nous sommes en train de vivre cette pauvreté, mais Dieu finira toujours par nous visiter. Toi tu crois, tu communiques la foi. Communique la foi pendant cette période. Kabola kondima, et les gens de la foi n'ont pas été toujours compris. Batuya kondima, basosola kabangote. Alors que je comprends, yangana, la foi kondima est comme une graine. Yangweza lokola mbuma molona. Les gens qui portent la foi, les gens qui ont la foi en eux, parfois ce sont les gens que le monde parfois rejette. Tu dis des choses qui ne cadrent pas avec la réalité, mais tu sais que ce que j'ai dit va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis des choses qui ne cadrent pas avec la réalité, mais tellement que tu as cru, tu te dis que ce que je suis en train de dire va certainement arriver.
Voilà pourquoi ce genre de personnes sont parfois combattues, rejetées et incompris par le monde. Parce que le monde a ses lois. Mais la foi défie toujours les lois du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? La médecine te dira qu'une femme qui n'a pas de trompe ne peut jamais accoucher. Mais la foi te dit, même sans trompe, je peux donner naissance à un enfant. Et parfois, quand tu dis une telle chose, les gens qui sont tout autour de toi te diront, wana biloba loba. Et ça, biloba loba te. Parce que je sais que mouton a la personne à qui je suis. Ma coquille à couper sanga. Même ce temps. Ata ma trompe exacte, mais non, dima. Ma coquille à couper sanga. Il a la possibilité de me donner l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, Zoka, naturellement, Nabo Motobo, une graine, Molona, pour qu'elle devienne un arbre, pour qu'elle commence à être, il faut que cette graine. Et Sengelin Konawana soit mise sous terre. Et Yamanase Yamabele. La graine ne sera plus entre la main du semeur. La graine doit être jetée par terre. Kone koza na maboko moloni te sengete kwa kama na mabele. La graine est abandonnée. Mbuma yango basundoli yango. À son propre sort. Mais ce qui est vrai quoi? Weza solo ezani. Là où le semeur t'a jeté, fait qu'il y a la foi. Même là où les gens t'ont abandonné, ils ne savaient pas que là où ils t'ont déposé était une terre fertile pour toi. Les gens qui t'ont laissé venir ici ne savaient pas que l'église Cité Bethel, l'Assemblée Centrale, c'est une terre fertile pour toi. Là, je chantais de parler à une graine. Parfois, les injures des gens sont très importantes. Pourquoi? Cela aussi permettra en sorte que nous puissions libérer notre foi dans l'atmosphère. Même le fait de prier, cela prouve que tu as la foi. Le fait de mettre tes pieds ici, c'est un signe qui prouve que tu crois que le Dieu de Mbille ce soir est capable de transformer ma vie. Là, je t'ai dit, la transformation de Dieu arrivera certainement dans ta vie. C'est comme ça, une graine jetée. C'est une bonne terre. J'aimerais dire à quelqu'un, la terre de l'accomplissement de ta promesse, c'est ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? La terre d'accomplissement de ta promesse, c'est ici. Ta promesse ne s'accomplira pas ailleurs. C'est ici. Parce que c'est ici que Dieu t'a placé. Ici. Ne quitte pas ta terre prophétique. Je dis à quelqu'un, si t'es Bethel et ta terre prophétique, ta promesse se réalisera ici. Christ était en train de partir. Christ a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Parce que j'enverrai les consolateurs. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Jérusalem n'était pas la seule ville qui puisse exister en Israël. Israël avait plusieurs villes. Mais pourquoi est-ce que Christ a choisi que Jérusalem? Parce qu'il savait que Jérusalem était une terre compatible à la promesse qui devait s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta promesse s'accomplira ici. Ta promesse, reconnaît Bethel comme terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta sémence, reconnaît Bethel comme terre. Ta guérison, reconnaît Bethel comme terre. Ton élévation, reconnaît Bethel comme terre. Ta grandeur, reconnaît Bethel comme terre. Une graine, abandonnée à son propre sort, placée sous
sous terre. Et tiens, mina ça ma belle. Mais c'était pas n'importe quelle terre. Katsaki ma belle, le col en sorte. Une bonne terre. Ma belle ma lame. Pour qu'une graine devienne un arbre demain. Vote kona et commande. Il faut que cette graine soit placée sous une bonne terre. Et sengeli ba zwango ba tsona na ma belle ma lame. Et bête, c'est une bonne terre pour toi. Mais telle ça ma belle ma lame pour na yo. Mais il y a quelque chose que j'ai compris à propos de la graine. Et là, comment on a sauté le pont en cona? C'est que même si Akasoki, la graine kona wana, n'est pas arrosée par son semeur, yango moloni nango mwangi sima ilikolo nangote. Le ciel likolo enverra toujours la pluie. Ekotinda mvula kaka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, là, je vais dire à quelqu'un. Non, même si les gens refusent de te soutenir. Même si les gens refusent de t'aider. Toi, tu es une graine. Toi, tu es une graine. Placée sous une bonne terre. Même si les gens ne t'aident pas. Même si les gens ne t'arrosent pas. Dieu va ouvrir son ciel. Et la pluie tombera sur toi. Et demain, tu deviendras un arbre. Je dis à quelqu'un. Bientôt là. Ta graine deviendra un arbre. Des choses graves. L'arbre finit toujours par donner des fruits. Je déclare sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Laisse que ta foi fasse de toi un sauveur. Ta foi fasse de toi une femme élevée. Laisse que ta foi fasse de toi un homme élevé. Même si les gens t'abandonnent, même si les gens t'oublient, mais sache une chose, comme je suis une graine, même si vous ne venez pas m'arroser, même si vous m'avez jeté, mais je sais une chose, je finirai toujours par sortir. Rien à ton pimelier, à ton sungi grenité, à ta yoko tchumulate. Mais ce que je connais à propos de la graine, grenier mon fongo la kanzela, à mon pas sur la nzela. Je n'ai jamais vu un semen jeter la graine sous terre et revenir le lendemain pour tirer cette graine pour que cette graine croisse. La graine croit d'elle-même. Ah, je dis à quelqu'un, au copamba. Tu seras béni par la connaissance. Relation T. Connaissance T. Pas une connaissance. Tu n'es pas mais connu. Comme aux graines. Mais comme tu es une graine. Tu vas te chercher une fois. Tu vas créer une fois. Tu vas créer une fois. Parce que Dieu a placé dans la graine la capacité d'ouvrir la terre et de devenir elle-même un homme. Je dis à quelqu'un, même si les gens te refusent, même si les gens refusent de te soutenir, en toi, tu as placé une onction. En toi, tu as placé une onction. Je dis à quelqu'un, en toi, il y a une onction. Une onction qui est capable d'ouvrir le ciel. Une onction qui est capable d'ouvrir les portes. Une onction qui est capable de déchirer le ciel. Je déclare au nom de Jésus, laisse que ta foi ouvre le ciel. Laisse que ta foi ouvre les écrits des cieux. Et je déclare sur ta vie. Bientôt là, dans quelques minutes, dans une minute, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, la pluie tombera sur ta vie. La pluie de la grâce tombera sur ta vie. La pluie de la bénédiction tombera sur ta vie. La pluie de la grandeur tombera sur ta vie. La pluie de l'élévation tombera sur ta vie. Les frères de Joseph l'ont abandonné. Ils ont cru que quand ils ont abandonné Joseph, ils ont tué les rêves. Je dis à quelqu'un, les gens peuvent t'abandonner, mais ma bombe est ils en ont la. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu portes à toi une semence. Une semence qui est capable de donner naissance à d'autres semences. Je parle à quelqu'un. Tu es un géniteur. Tu es un tonnerre d'espoir. Tu es un faiseur de miracles. De toi-même. De toi-même, même si les gens ne t'aident pas, toi-même, avec ce que tu as placé en toi, tu es capable, avec la force que tu as. N'est-ce pas, Dieu a dit à Gédéon, tu ne partiras pas avec la force que je te donnerai. Tu ne partiras pas avec la force que ton père te donnera, mais tu partiras avec la force que tu as. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'aie pas peur, affronte ce combat, tu sortiras vainqueur, parce que la victoire n'est pas en dehors de toi. La victoire est en toi. Je bénis ta vie au nom de Jésus. 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 Ils ont cru que comme ils ont vendu Joseph, ils ont tué la chose qui était en Joseph.
Bobaki ngana libulu. Kasi eloka nzambe kati na ngai. Bobomi angote. Et je dis à quelqu'un, lorsque tu investis dans l'homme, tu fais en sorte que son investissement ne meure pas. Eloka nzambe kati na ngai kufate. Eloka nzambe kati na ngai kufate. Je dis eloka nzambe kati na ngai kufate. Prends soin na ngai kufate. Prends soin na ngai kufate. Donne na ngai kufate. Prends soin na ngai kufate. Parce que c'est au travers de ce don que tu feras un nom. Je dis à quelqu'un, je dis à quelqu'un, je suis en train de prophétiser. Là je ne parle pas. Je prophétise sur la vie d'une femme. Là je ne parle pas. Je prophétise sur la vie d'une maman. Là je ne parle pas. Je prophétise sur la vie d'un jeune. La chose que tu as placée en toi, c'est une chose très précieuse. Conserve bien la chose de Dieu. Conserve bien la présence de Dieu. Celui qui est Dieu a la valeur de toute une armée. Celui qui est Dieu est majoritaire. Je dis à quelqu'un, laisse les gens s'en aller. Laisse les gens t'abandonner. Mais toi garde Dieu. Comme tu es Dieu, le miracle est possible. Comme tu es Dieu, la victoire est possible. Comme tu es Dieu, la guérison est possible. Comme tu es Dieu, la restauration est possible. Comme tu es Dieu, le changement est possible. Comme tu es Dieu, les portes de gloire vont s'ouvrir. Alors que je suis en train de parler, le Dieu des miens est en train d'ouvrir le ciel. Le ciel de Dieu s'ouvre sur toi. Alors que je suis en train de parler, tu as ouvert son ciel. Tu as ouvert son ciel. Et une onction qui est en train de tomber sur la vie de quelqu'un. Reçois cette onction au nom de Jésus. Dieu t'arrose. Dieu t'arrose. Dieu t'arrose. Dieu libère l'onction sur toi. Dieu libère la grâce sur toi. Dieu libère sa puissance. Sa puissance. Sa puissance. Sa puissance. Sa puissance, reçois, 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 reçois. Ta vie change aujourd'hui. Ta vie change aujourd'hui. Ta vie change aujourd'hui. Ta vie change aujourd'hui. Je dis ta vie change aujourd'hui. Il y a un Dieu capable de tout. Et que j'entends de parler, je sens beaucoup d'onction. Et je me dis, au fond de moi, que Dieu est en de visiter quelqu'un. Maintenant, pendant que je chantais de parler, j'ai tenté de faire du bien à une femme. J'ai tenté de faire du bien à un homme. J'ai fait du bien à une femme. Maman ne pleure plus pour tes enfants. Maman ne pleure plus pour tes enfants. Papa ne pleure plus pour ton avenir. Ne pleure plus pour ton lendemain. Tu as en toi. Ne recours plus vers les relations. Ne recours plus vers les gens qui t'ont abandonné. Je t'ai été abandonné. Mais c'est vrai. Ne savait pas que c'était ce même Jephté qui devait les délivrer demain. Joseph était abandonné, mais ses frères ne savaient pas que c'était ce même Joseph qui devait les sauver demain. Je dis, tu as la chose en toi qui va reconstruire ta famille. En toi, tu as la chose qui va redonner l'espoir au cœur des gens. En toi, tu as la chose de Dieu. La chose de Dieu est en toi. Tu peux tout perdre. Perds tout. Mais ne perds pas la présence de Dieu. Perds tout. Perds les relations. Laisse les gens t'abandonner. Mais toi garde Dieu. Toi garde cette précieuse présence. La présence de Dieu à tout. Ce que tu cherches, c'est tout dans la présence de Dieu. Le mariage que tu cherches, se trouve dans la présence de Dieu. Le travail que tu cherches se trouve dans la présence de Dieu. La guérison que tu cherches, c'est dans la présence de Dieu. La gloire que tu cherches, c'est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu a tout. La présence de Dieu a tout. La présence de Dieu a tout. C'est demain levé, je sens la gloire de Dieu. Lève-toi là où tu es. T'es de m'élever. Marabashata Rabrosa. Je viens lui-même. C'était moi de la visitation divine. C'est pas à toi d'aller là où se trouve Dieu. C'est Dieu lui-même qui viendra là où tu es. Garde tes mains levées. Dieu visite ta vie maintenant. Marabashata Rabrosa. Il
Il est temps que tu étonnes le monde. L'onction de Dieu va juste amplifier ce que tu as. Je crois dans les jours qui viennent. Il y a quelqu'un ici qui sera béni puissamment dans les finances. Hier, tu courais derrière les gens pour emprunter de l'argent. Mais or, personnellement, toi-même, tu ne savais pas. Or, en toi, tu as placé une machine qui fabrique de l'argent. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te bénira en ce qui concerne les finances. Dieu te bénira en ce qui concerne les finances. Dieu te bénira en ce qui concerne les finances. Tu ne seras plus derrière les gens. Tu ne vas plus courir derrière les gens pour manger. Tu ne vas plus courir derrière les gens pour te vêtir. Dieu lui-même va placer entre tes mains une forte onction à ce qui concerne les finances. Il y a une étoile de quelqu'un qui veut prier maintenant. Je vais faire briller ton étoile. Je vais révéler réellement qui tu es. N'aie pas peur. Je dis à une femme, n'aie pas peur. Je dis à un homme, n'aie pas peur. Je parle à une jeune soeur. N'aie pas peur. Je parle à un jeune frère. N'aie pas peur. Ce n'est pas la personne qui a à tes côtés. C'est toi. Je dis c'est toi. Je dis c'est toi. Je dis c'est toi. Je dis c'est toi. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. 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 Dieu va faire briller ton étoile maintenant. Ta coupe est en train d'être débordée maintenant. L'huile de Dieu coule sur ta tête maintenant. Que l'huile coule sur ta tête. 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 Marabashatarabrosa. Donne-moi tes mains, je vais prier pour toi. Marabashata. Il y a des étoiles parmi nous. Que Dieu veut faire briller maintenant. Voilà pourquoi les gens de ta famille te combattaient. Parce qu'ils savaient qu'en toi, il y a quelque chose de valeur. Et Dieu va maintenant amplifier cette chose au travers de son onction. Sois prêt, sois prêt. Je te parle. Je parle à ton esprit maintenant. Rabashata, tu es là, tu es une étoile. Tu es appelé à prier. Tu es appelé à prier. Allez, prie au nom de Jésus. 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 Reçois cette onction. Reçois cette onction. Qui va t'élever. Reçois l'onction. Qui va te faire asseoir dans la cour de grâce. Reçois. 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 Allez, que ton étoile prie maintenant. Que ton étoile prie. Je dis que ton étoile prie. Que ça prie. Que ça prie. Que ça prie. Que ça brille, 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 reçois, 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 au nom de Jésus, que ton étoile brille maintenant. Marabashata Presama, Rasetere Prosata Mage, Ere Sata Rabrosa Mage, Marababashata Rabrosa. Il y a une onction qui vient vers toi maintenant. Il y a une onction qui vient vers toi maintenant. Étoile, tu es où? Où es-tu? Où es-tu? Étoile, où es-tu? Dieu te cherche. Dieu est en train de te chercher. Marababa, je te rebrosse. Marababa, je te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Ton aide de prière a sonné. Ton aide de tonner le monde a sonné. Ton aide de faire les miracles a sonné. Étoile,
reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu vas prier. C'est juste une seule intention de prière. Avant de passer le micro, tu vas prier. Alors que tu es debout, tu vas battre dans tes mains. Tu vas dire à Dieu: enflamme la chose que tu as placée à moi. Que cette grâce s'enflamme. Que ce don-là s'enflamme. Va dans tes mains. Fais cette prière. Allez, monte dans la prière. Prie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu enflamme ce qu'il a placé en toi. Que Dieu enflamme ses dons. Que Dieu enflamme cette grâce. Monte dans la prière. Prie. Quelle prédication. Il a dit: tu es comme une graine. Pendant qu'on t'a jeté, on pensait que tu allais finir néant. Or, une graine a de la valeur que lorsqu'elle est sur terre. Et il a ajouté encore une chose: même si il refuse de t'arroser, le ciel. Oh my God. Carabassa, je sens beaucoup d'onction. Nous allons faire un acte prophétique. Papa Philippe, mets-moi des paniers ici. Cette offrande que tu vas amener, c'est une graine. C'est une graine que tu vas placer. La Bible dit: l'apôtre Paul sème, Apollos arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Je veux que quelqu'un ait un arbre d'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que dans ta vie, que tu aies un arbre qui produit l'argent. Et ça va se passer au travers de cette semence que tu vas placer ici. Prends une bonne somme. Comme on n'a pas de temps, je ne sais pas t'exiger les montants. Nous nous sommes décidés de respecter l'heure. Ça veut dire que nous allons finir dans 3 minutes. Alors, si tu sens dans ton cœur que ton arbre doit produire l'argent à une bonne quantité, ne néglige pas ta sémence. Apporte ici une bonne sémence. J'ai dit à quelqu'un: tu ne vas pas fournir des efforts pour l'argent, surtout pour cette année. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Tu ne vas plus fournir des efforts pour l'argent. Il a dit à David: j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Ça veut dire, David, s'il part à gauche, la bénédiction le suit à gauche.
Si toi tu pars à droite, l'argent doit te suivre à droite. Une manière de dire tout ce que tu feras, ça réussira. Alors apporte une bonne offrande. C'est comme une semence que nous avons placée sous terre. Toi, tu n'es pas appelé à arroser ça. Les ciels vont s'en charger de ça. Ce qui est important, c'est quoi? Ici, c'est une bonne terre. Apporte ton 100 dollars, ton 10 dollars, ton 20 dollars, tout ce que tu as. Amène ça ici. Tout ce que tu as, mais une très bonne offrande. Amène ça, tu vas placer ça ici. Maintenant que tu avances, déclare sur ça. Dis à ta sémence, reviens au centuple. Approche. Approche avec ça. Approche avec ça. Que l'argent te suive au nom de Jésus. On nous place les paniers, tu prépares ta dîme, tu prépares tes offrandes ordinaires. Tu prépares des actions de grâce. Demain c'est jeudi. Ne rate pas demain, nous allons encore plonger dans la prière. Demain, papa lui-même sera là. Viens, nous allons nous déchaîner dans la prière. Le vendredi, nous avons la veillée. À partir de 22h. Et à 17h, il y a une réunion des mamans et des. Une rencontre des mamans et des jeunes filles. Et chaque samedi. Nous les jeunes, nous nous réunissons ici. Il y a un programme spécial. Je demande à la régie de me les mettre ici sur les écrans. Juste après. Oui, c'est ça. Les droits et la Bible. Contradiction ou complémentaire. Ça, c'est pour les étudiants. C'est pour les 17. Ça veut dire vendredi les 17 à 17h. Vendredi les 17 à 17h. Donc, toi qui es jeune, tu étudies dans une université sur place, nous te prions d'être là présent. Et samedi aussi, samedi, les jeunes aussi ont un moment de jeûne. Conférence de couple. Ils parlent de couple. Tu as envie de connaître les choses de couple pendant que tu n'es pas encore marié. Ça va t'aider, il faut venir. Alors, le dimanche, nous avons deux cultes avec papa lui-même. Viens, on sera enseigné de 7h30 à 10h30.
11h30 jusqu'à 14h. Ici, dans les paniers dorés, tu places ta dîme. Dans les paniers bleus, tu places tes actions de grâce. Et dans les paniers que tu rencontres sur les allées, tu vas placer ton offrande ordinaire. Avance vite avec ça. Nous allons finir dans moins de 30 secondes. Au nom de Jésus, même si on t'avait jeté, que l'Éternel t'arrose là où tu es, que tu sois capable de produire. Au nom de Jésus, soyez béni, soyez sécurisé, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si c'est pour toi la première fois, les prier avec nous, il faut bien rester. Tu as aussi un témoignage. Reste, nous allons parler avec toi. This program is brought to you by Moïse Mbie Ministries. Welcome to Moïse Mbie Ministries. Moïse Mbie Ministries, venez rencontrer Dieu. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Le monde voulait voir si je t'aimerais encore, si je m'attacherais encore. Après ces combats, j'ai secoué la vipère. Elle brûle dans les flammes, écoute les barbares. Ils changent des langages, je te donne ma vie. Oh, fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Jésus, là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Aujourd'hui, fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux.
tu es.